2 semaines se sont écoulées et vous nous avez manqué. Si vous êtes de la même zone que nous, alors c'est les vacances pour vous aussi. Et pour tous les autres, il va falloir attendre un petit peu. Que vous partiez au ski ou ailleurs, vous trouverez un moment pour une recette facile et rapide. Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi. On se lave les mains et... Direction cuisine! Il faudra 500 g d'abricots, 4 œufs, 100 g de sucre, une pincée de sel, 50 g de farine, 250 ml de lait, 30 g de beurre, un sachet de sucre vanillé et 50 g d'amandes en poudre. Lorsque ce n'est pas la saison des abricots, vous pouvez, comme nous, utiliser des abricots au sirop. Dans un cul de poule, je bats les œufs entiers. J'ajoute le sucre et le sel, puis je mélange bien. Je fais fondre le beurre au micro-ondes et laisse tiédir. Je tamise la farine et la poudre d'amande. Je les ajoute aux œufs battus et je mélange jusqu'à obtention d'une pâte lisse. J'ajoute le beurre et je délaie progressivement avec le lait. Je dispose les oreillons d'abricots au fond d'un plat à tarte ou à manquer. Je verse l'appareil à clafoutis par-dessus. Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes. Je saupoudre le sucre vanillé. Ça retourne au four à 180 degrés pendant 5 minutes. Pour connaître le thermostat du four, je divise les degrés par 3 et lève un zéro. Ainsi, 180 divisé par 3 égale 60, donc thermostat 6. Super, c'est méga rapide et c'est parfait pour les vacances. Cette séquence est déjà terminée et nous vous remercions d'être toujours là avec nous. De faire partie de cette aventure. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines. Bonnes vacances! Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous! À bientôt dans une prochaine vidéo!